Recoucou, donc je reviens tout de suite vers vous. Nous sommes toujours le vendredi, donc 20 août 2021. Donc je vous avais dit que j'avais commencé à sortir dans des cartes depuis un moment qu'elles sont là pour faire une suite de ce que je vous avais donc au niveau des prédictions. Donc avec l'oracle donc de l'arbre de vie. Hein, donc ici. Voilà, je me suis servi que de celui-ci. Donc j'ai essayé de voir un petit peu d'accorder, comment dire, vous savez comment je fonctionne. Je fonctionne pas comme tout le monde, je coupe toujours. Voilà, je fonctionne comme ça, ou je regarde après, je regarde avant, etc., etc. D'accord? Donc on va commencer. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc ici on a un temps ce matin où il faisait un petit peu fresquet. Et puis là nous avons le soleil qui commence à sortir. Donc, vous avez un temps qui est en yo-yo, hein, c'est pas stable, hein, un coup ça monte, la température descend, donc faire attention aussi de bien se protéger, de faire attention, etc., etc. Voilà, c'est pas le moment d'attraper quelque chose, moi je vous le dis. Alors, avant de me servir de ces cartes-là, j'ai envie de... Allez, hop, c'est l'imprévu, je me sers de celui-ci. Juste voir sortir une ou deux cartes, voir un petit peu ce que ça nous dit. Hop. Bon, on va vous donner des nouvelles de tout ce qui comporte donc cette je dirais plus que c'est une science, moi je dirais que c'est plutôt une science politicos. Hein, ça nous parle de vie, hein, un peu de mettre autre chose après, etc. Ça nous parle d'alchimia, etc. Voilà. Donc, on va apprendre davantage de nouvelles au niveau de ceci, dans le mauvais sens pour la rentrée et dans le bon sens aussi vis-à-vis de certains professeurs, etc., qui sont bien au courant de certaines choses. D'accord? Donc, hop. J'avais dit que j'en sortirais pas plus. Et donc ici, il sort donc la méditation. Voilà, on demande donc aux parents de bien méditer à ce que vous allez faire comme choix. Voilà, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. Je pense que vous êtes assez grand pour ceci. Mais bon, personnellement, j'aurais donc mes deux filles qui seraient en bas âge. Personnellement, je ne les mettrais pas à l'école. Voilà. Et voilà, donc j'avais dit que j'en sortirais que deux. Je vais en sortir assez rapidement deux de l'oracle d'Élise ici. Donc s'il vous plaît, avant de commencer, à vous montrer ce qui est sorti au niveau de l'arbre de vie, l'oracle de l'arbre de vie. Donc s'il vous plaît, merci. Donc je sors la carte de l'été, donc nous sommes bien en été, d'accord? Et on nous parle bien de nous ancrer, voilà. De rester dans... comment dire? C'est pas évident, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont vraiment déstabilisées, je le répète encore, qui dorment très mal, mais on vous demande vraiment de vous ancrer, d'accord? Ici. Et tout de suite après, qu'est-ce que je sors? La carte de la vérité. Vérité, c'est pour ça qu'il faut être serein. D'accord? Faut être serein. D'accord? Et la vérité, on va prendre plein de vérités, moi je peux vous l'assurer. D'accord? Voilà. Et ici, donc, ça représente l'amitié. Mais là, on voit trois personnes. Moi, je vois des personnes qui se regroupent. D'accord? Qui sont soudées. Voilà, il se forme plein de groupes comme ça qui sont soudés. Comment dire, comme je vous avais dit, au niveau de ceci, au niveau de... Hein? D'accord? Voilà. Donc, hop, je vais les ranger, je les remélangerai plus tard. Et là, je tombe sur la carte de l'automne. L'automne, qu'est-ce que ça nous dit?
Il y a toujours ceci. Et un bomrang. J'arrive pas à le dire. Bomrang, bomroom. Bref. Je sais plus si j'ai sorti celui-ci. S'il vous plaît, merci. De toute façon, ces méchants font tout pour que le peuple, quelque part, rogne, gronde. Hein? Ils attendent que ça, de toute façon. Donc là, on nous parle d'un changement. Donc, on nous parle d'un changement. Voilà, on nous parle de d'un retard de quelque chose. Ici, j'ai le verdict. Donc, un retard, pardon, de verdict. Je le dis comme ça. Là, ça représente donc une maison, le foyer. Mais je vois quelque part aussi, voilà, il y a peut-être des personnes qui vont être qu'en confinement, mais ça peut nous parler aussi du foyer, mais ça peut nous parler des écoles. D'accord? Hein? Et on nous parle que la roue elle tourne, il y a un changement. Et j'avais sorti donc la carte de l'automne. Et là, il ressort tout le temps la chance. Voilà. Donc, hop. Je l'ai mis de côté. Et puis, je vais vous expliquer donc ce que j'ai vu. Après, ce n'est que mon interprétation, je peux me tromper. Donc, je me rapproche. Alors, ici est sorti ceci. Donc, c'est des personnages, on parle de jeunes femmes. D'accord? Donc, jeunes femmes, donc là, on parle de la jeunesse. Ça peut nous parler des enfants aussi. Donc quelque part, je vois pour la rentrée quelque chose qui va être comme ceci, pardon, qui va être dévastateur. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont comme ceci et qui en ont marre de tout ceci. Pour la rentrée, ou même un petit peu avant, ou même un petit peu après, ça va être dévastateur. Cette rentrée va être dévastatrice. D'accord? Mais ça nous parle encore, hein, ça va partir en, voilà, mais ça nous parle aussi des énergies de la Terre. Donc, je ne sais pas, là, j'ai pas la carte de l'étranger ou de la France, mais là, ça nous parle de la jeune femme, ça nous parle de personnage. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, moi, quelque part, ça me fait penser à la rentrée scolaire, et puis ça peut parler aussi de plusieurs personnes, hein. Où ça va commencer à en monter en puissance, et puis ça va être quelque part un petit peu dévastateur. Voilà. Donc là, j'ai sorti donc le bateau, donc avion, bateau. Je vois quelque chose qui se passe aussi au niveau des transports de bateaux. Et ici, il y a quelque chose de rapide qui va arriver. Donc, est-ce que c'est au niveau de cette rentrée? Mais là, pour moi, c'est le transport, c'est le voyage. Est-ce qu'on va pas encore apprendre des clusters ou je ne sais pas quoi au niveau comment dire, des croisières ou des choses comme ça. Mais là, il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Et puis, ici, donc ici, nous avons le message. On va apprendre en communication. Il se peut qu'on, hein, que quelque part, on a envie de, hein, d'accord, ici. Mais la communication, ça peut nous parler aussi. De ce qu'on va prendre pour la rentrée des classes, ça commence à en parler, etc., etc. Bref, ici, donc je l'avais sorti dans ce sens-là.
Donc ici, c'est ça nous parle de métier artistique, mais j'ai sorti à côté, donc festivités, donc on voit des terrasses, des restos, des machins, baisse d'argent. Hein. Là, c'est la ruche. Ça nous parle de métier artistique, mais ça peut nous parler bien d'autres choses. Hein. Pas que de restaurants. Hein. Baisse d'argent dans pas mal de choses où il faut le multipass. Parce qu'on va vous parler encore donc d'une cinquième vague, certainement. D'accord? Et puis là, je vois des personnes qui ont envie de partir ou qui sont déjà parties dans ces lieux-là de tranquillité où il y a la montagne. Quelque part aussi, nous avons des épreuves et ce défi, c'est aussi de pouvoir graver cette montagne ensemble, unis. D'accord? Là, ça peut me parler encore d'eau, encore comme je vous avais expliqué, au niveau de. Pas vraiment un tsunami, mais enfin quelque chose qui va frapper des côtes, soit à l'étranger ou soit en France. Hein. Ici, donc j'ai sorti ceci ensemble. Donc on voit une rencontre, on voit deux fleuves hein, quelque part qui se rejoignent, plus ou moins. Voilà, on les voit séparés, mais là ils sont côte à côte. Là, il y a plus en plus de rencontres au niveau de personnes du peuple pour des actions, des rencontres aussi pour mettre en œuvre ce qu'il faut pour la rentrée des classes au niveau donc de chercher des personnes, etc. Et là, ça ressort encore, on nous parle encore de procès et de justice. Hein? Ici, donc, est sorti le personnage, l'homme. Donc, on a là un côté, un homme blond, un homme brun, qui n'est pas très âgé. Et là, j'avais sorti dans ce sens-là, excusez-moi. J'avais sorti, donc, la branche qui casse. Donc là, on nous parle d'un accident beaucoup plus grave. Hein, je l'ai sorti de ce côté-là. Je l'aurais sorti de ce côté-ci. Ça aurait été un accident moins grave. Mais là, c'est ici. Donc, il se peut qu'il y a que ça puisse représenter aussi via la rentrée scolaire, aussi donc pour les personnes qui sont sorties, de faire attention. Ça peut nous parler aussi d'un homme qui n'est pas trop âgé, où il pourrait lui arriver quelque chose de pas bon là. On voit comme un accident qui est plus grave. On voit une branche qui est cassée. Donc ça me fait penser quelque part. Comment dire, je sais pas comment dire les mots au niveau de les ta 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 ta, qu'il y a quelque chose hein, qui se casse comme ça, qui se brise. Hein, et on voit un homme. Donc, je sais pas si c'est quelqu'un qui fait de partie de ma crotte ou lui-même, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ici, elle est sortie donc toute seule. Là, nous avons la saison de l'hiver. Donc oui, c'est représenté gelé, etc. Mais je vois un hiver qui va être très froid. Mais quand je dis très froid, c'est dans tous les sens du terme. Hein, ça va être une saison où je pense qu'après, on y verra un petit peu plus clair. Là, ce qui est sorti ici. Donc voilà. Il y a des personnes qui se sentent vraiment seules actuellement. Là, ça représente le désert. Donc, ça représente un peu plus ou moins ce que je vous avais dit. Le désert dans certains secteurs, resto, grande surface, vous voyez ce que je veux dire? Hein, on voit qu'une personne, c'est le désert, c'est vide. D'accord? Mais il y a des personnes qui sont dans cette souffrance. Hein, qui sont seuls au niveau de la solitude, on peut même ressentir une solitude même si on est accompagné, d'accord? Et là, je vois quelque chose de nouveau, hein? Il y a un nouveau projet qui va se faire. Et en fin de compte, ici, donc là, c'est le métier qui est sorti de ce côté-là. Donc on voit la ruche, je sais plus si c'est ce côté-là. Voilà, on voit la ruche et là, ça me fait penser que il y a quelque chose qui va changer au niveau de certains métiers. D'accord? On voit les abeilles qui travaillent et qui pourront peut-être reprendre leur travail. Voilà. Hein? Peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas.
Alors ici, là, j'ai sorti donc encore des personnages, mais là, ça représente donc des enfants. Hein. Ça représente des enfants. Donc, à faire attention parce que il va y avoir, vous allez apprendre, ça va vous rendre mélancolique et ça va vous apporter de la tristesse au niveau de cette rentrée. Parce que vous voyez, on voit des couettes et tout. Donc, pour moi, on voit une corde à sauter. Donc, voilà. Donc, et là, ça me fait penser encore qu'il va y avoir encore pas mal de pluie. Hein. On voit ce ciel qui est gris. Hein, c'est pas très gai. On voit de la pluie. Hein. Puis c'est marqué de pluie. Donc ça peut nous parler de plusieurs choses aussi. D'accord? Alors ici. Donc on voit toujours donc, cette carte qui est ressortie. Donc on voit toujours cette pauvreté, cette stérilité. On voit une boîte vide. Malheureusement, il y a des gens qui vont, qui ont déjà perdu hein, leur travail, mais ça va s'accentuer. Mais je pense qu'en hiver, on y verra un petit peu plus clair. D'accord? Voilà, on voit une boîte vide et ça me fait toujours penser à quelque part. Il y a une fêlure qui est en train de se faire, notamment entre. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre ceci. D'accord? Donc ça peut nous parler de pas mal de choses. Hein. Il y a une fissure qui est en train de se faire au niveau de la société aussi. On voit une boîte vide. Je sais qu'il y a des pays qui sont encore beaucoup... en France, on n'a pas trop à se plaindre pour l'instant. Mais donc faire attention quand même. Mais il faut savoir que dans d'autres pays, il y a la pauvreté hein, qui est bien là. Hein. On a faim, voilà. Hein, on voit que c'est stérile, etc. Après, il y a quand même... voilà. Elles sont sorties ensemble. Ça nous parle encore de personnages. Donc le jeune homme, là on parle de la jeunesse. Je suis désolée, mais pour cette jeunesse-là, c'est sorti de ce côté-là. Le trèfle, les trèfles ici sont un peu fanés. Je l'aurais sorti, donc pour moi c'est la malchance, je suis désolée. Je l'aurais sorti de ce côté-là, je vous aurais dit c'est bon, voilà. Hein? Mais là c'est sorti de ce côté-là. Donc voilà, les personnages c'est jeune homme, jeune fille. Hein? D'accord? Donc quelque part je suis désolée, il va y avoir pour certains jeunes, la jeunesse, de la malchance. Ensuite, elle est sortie toute seule. Donc pour moi, ça représente aussi donc des personnes âgées qui sont isolées. Voilà. Notamment, donc, comme je vous ai dit, ça ressort un petit peu hein, dans les EHPAD, etc. Si vous n'êtes pas comme ça, vous ne pourrez peut-être pas aller voir votre famille ou des amis ou que sais-je. Mais là, ça me fait parler, ça me fait penser encore, ça je l'ai dit auparavant, ça me fait penser à une personne qui habite. Dans un autre pays, on traverse la Manche, elle est là-bas. Il ne manque plus qu'une... Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Au-dessus de la tête. Et je vois que ça tombe. Hein? La couronne, elle tombe. Hein? On voit un collier de perles, des boucles d'oreilles en perles. On voit un peu cette coiffure qui ressemble à ça. Donc, je vous avais dit que ça allait tomber. Donc, voilà. Après, au niveau du temps, je ne peux pas vous dire. Ici, donc, j'avais sorti ça comme ça. Donc là, on parle donc du foyer, des familles. Hein. On voit une fenêtre, etc. Donc, je suis désolée. L'argent, là, c'est que des petites pièces. Hein. Hein, les gros billets, ils sont de ce côté-là. Je l'ai sorti ainsi. Donc oui, il y a des familles, il y a des foyers qui vont perdre de l'argent. Il y a une histoire avec l'argent ici. Alors, est-ce que ceux qui sont pas... est-ce que... Les parents qui veulent rester à la maison pour les enfants, est-ce qu'ils vont perdre de l'argent? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me fait penser à ceci, hein. Donc ici, on vous demande, pardon, on vous demande avec cette panthère des neiges d'avoir toujours ce courage, il faut rester courageux, il faut garder cette force intérieure, c'est important, hein. Ici. Et puis, ici, là, est sortie l'abondance. Hein. On voit un ananas.
On voit aussi donc la protection, une protection de guide. On voit que c'est lumineux. Il y a quand même, hein, ça c'est l'arbre de vie, c'est magnifique. Et on voit comme un reflet là. Hein, on le voit de ce sens-là. Là, c'est ouvert. Et là, il y a des couleurs. Et là, on voit bien, bien les racines. Hein. Elles sont bien, c'est bien ancré. Hein. Donc quelque part, on nous parle quand même de protection, une abondance de protection. Et puis il y a quelque chose qu'on va certainement apprendre qui va être comme un cadeau de la vie. Donc on ne parle pas de facteurs, mais on va prendre des nouvelles. Des nouvelles où quelque part on voit ce soleil qui rayonne et on parle de réussite, hein, de bonheur, hein, pour terminer ici. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Oui, il faut bien méditer pour cette rentrée des classes. Et comme je vous l'ai dit, hein, depuis longtemps, ça fait un an que je vois du monde dans les rues. Au début, personne ne disait rien, ça fait un an. Donc parfois, il faut attendre un an pour que les choses arrivent, même si ça a bougé un peu pour telle ou telle raison ou telle raison. Là, oui, je vous ai dit que ça allait en grandissant, tout allait en grandissant. Je vous avais dit que là, nous avions une épreuve encore, des épreuves. On a encore le pied dedans. C'est pour ça qu'il faut rester dans la lumière, il faut avoir cette force intérieure. Parfois, on ne connaît pas notre force, elle peut être décuplée. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on arrive à une rude épreuve, on peut avoir cette force qui se décuple, pardon, et on demande beaucoup de courage. Parce que là, on en arrive au bracelet de couleur pour tel machin, etc. Donc ça me fait penser un petit peu à ça depuis tant que je vous en parle. Hein. Désolé hein, si ça plaît pas ceci. Voilà. Donc comme je vous disais depuis très longtemps, tout ceci n'est pas normal. Voilà. Après, pour personnellement, c'est de la logique. Depuis le temps qu'il y a du monde qui se promène, qui visite la France et d'autres pays. Sincèrement, il y aurait beaucoup de monde à terre, hein, par terre, allongé sur le sol. Mais ce n'est pas le cas. D'accord? Donc voilà, je reviendrai ultérieurement pour autre tirage différent que celui-ci. Si ça a résonné en vous, tant mieux. S'il y a des choses qui vous ont parlé pour ce bateau ici, d'accord? Est-ce qu'on ne va pas apprendre qu'il y a un bateau? Ça me parle aussi quelque part de bateaux, mais des bateaux qui sont sous l'eau aussi. Ça peut me parler de ça aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un bateau qui va, je ne sais où, qui va. Bon, là, on voit de la pollution qui sort au-dessus, mais est-ce qu'il n'y a pas une pollution qui va sortir et qui va être dispersée dans l'eau aussi? Ça peut me parler de ça aussi. Donc, peut-être à l'étranger ou en France, je ne sais pas. Enfin, ça nous parle de pas mal de choses là. D'accord? Donc, je vais vous laisser parce que j'ai très faim. Donc, j'ai très faim. Je me suis fait du poisson. Je me suis fait une ratatouille. Pas une vraie ratatouille, mais enfin, un semblant de ratatouille fait maison. Et voilà, je vais bien me régaler. Donc, bien se nourrir aussi, c'est important. Et puis, je reviendrai certainement ce soir pour vous faire écouter donc peut-être deux musiques pour demain, pour ces visites qu'il y aura en France et donc à l'étranger. Donc en attendant, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et gardez cette lumière, cette petite flamme intérieure qui est ici. D'accord? Pour les personnes qui ont du mal à dormir, vous cherchez sur YouTube, etc. Vous avez plein de musique qui vous aide à faire nettoyer vos chakras. Il y a plein de choses à écouter pour vous apaiser, etc. C'est fait exprès, c'est fait pour. D'accord? En attendant, gros bisous à tout le monde et à très vite. Bisous, bisous.